Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge Magie. On fait une amulette séculaire. On va essayer de faire un jet Nir Perf Exo Res R. Alors, au moins 3%, idéalement 4%. Les 4% sont relativement faciles à faire sur cet item, qui est un item assez simple à FM. Et ce sera pour un Eka Flip Feu PVP. Voilà, donc on a 92,2 de puits ici. On n'aura pas le Perf Sagesse, donc on va pas non plus tryhard le Perf Vita. On a moins 20 ici. On va venir chercher l'over intel, moins 10, qu'on récupère au dos feu. Parfait. Je vais directement pas âge, moins 3. J'ai un en rab, on va le chercher à la rune. Est-ce que j'ai une petite rune qui traîne? J'ai pas pris toutes mes runes là. Il me faudrait de la chance peut-être. Oh, j'ai pas. Bon, je vais y aller à l'ini. Bon. 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 Tranquille. Non, mais on gagne du puits si vous voulez. Voilà, plus 2 de puits, bah, ça régale. GG à tous. Hop. Évidemment, l'interface qui bug, mais ça, c'est rien. C'est Dofus. Hein. C'est tout le temps comme ça. Tout va bien. Moins 1. Moins 10. Moins 8. 39 de puits. J'ai une Tenta Sagesse. Et 6 Tenta Repair. %. Dommage. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. On continue? 91 de puits, bon on tombe à la pas prosp, c'est un peu triste, mais on a un petit crit à la part écrit qui nous console un petit peu. On va commencer par une pas-âge qui passe. Et ensuite réécrit. Bon, voilà. Augmenter le dommage à 11. Moins 10. Repère. Hop. Dommage, dommage. Allez, les réécrits. Moins 6. 51. J'ai 3 en rab. On va te mettre une petite tente à sagesse. Hop. 48. Ouais, les 2% c'est relou, hein. Pas de PA. 91,4 de puits. On va avoir le perf sagesse, ça fait plaisir. Alors la Vita. Double pod, hein. Ok, on récup en plus. Plus 0,2. C'est agréable ça, dis donc. Ok, le crit. Succès neutre. Tac. Moins 8. 33. Est-ce que j'ai pas une petite rune qui pèse 3 là, en stock là? Petite. Oh, c'est une blague, j'ai que pas A, j'ai pas inné là. Attends, pour une fois que je prends pas tout mon stock de runes. Oh, c'est relou de ouf! Bon, je solutionnerai ça. Bon. Bah écoutez, je vais en acheter, hein. J'ai le seum. J'ai le seum. Vraiment, je passe ma vie à prendre toutes mes runes, mais là, j'en ai trop pour mes pods, en fait, et du coup, j'ai pas tout pris.
On va se choper des petites petites pachas. Tac. Let's go. Tout va bien les amis. Tranquille. On temporise. Voilà, c'est fini. Tout ça pour que ça passe pas, évidemment, mais... Faut toujours tenter, évidemment. Donc, Pacha. Voilà. Non mais comme ça, on gaspille pas de puits, on est serein, vous voyez. Ça, c'est important, ça. Allez, une, deux, trac, tac. Et 2%, again. Et évidemment, le PA sur 2%, bon. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tous ceux qui me disent que j'ai fait le QI, non, hein, vous voyez, tout est bien passé. C'est pas de chance parce qu'on a échec le PA, mais il est quand même sur l'item, c'est vraiment... Ça va, on n'a pas trop échec, je pense. La forge magie est toujours ruinée, hein, vous inquiétez pas, ça change pas. Bon, est-ce que je tryhard un truc mieux ou est-ce que je prends ça en jet temporaire? Parce que j'ai d'autres items à faire et j'ai hâte de jouer mes nouveaux modes. En vrai. En vrai, en vrai. Ou sinon, je mets un petit pourcent dommage sort. Me voilà bien sceptique. En vrai, je vais tenter dommage sort, je pense. Je vais tenter le dommage sort. Ce serait quand même dommage de s'arrêter à 2%, quoi, franchement. Bon. Il y aura bien un jour où je vais faire ça et ça passera, hein. Ah, pas de chance. Bon, on continue. 91 de puits, bon, on est en 36 sagesse, ça fait un peu badé. La vita. Allez, on va gonir perf, hein. Ça me chiffonne un peu, mais bon. C'est comme ça. Hop. Une chance. Le crit, évidemment. Ok. Allez, l'over-intel. C'est agréable les pop-up, hein, vraiment, j'adore ça, vraiment, Dofus aujourd'hui, c'est magnifique, le jeu marche très bien. Est-ce que je tenterais pas une... Ah, j'aurais peut-être dû faire ça à la fin pour pouvoir peut-être tenter une pavie, en vrai. Parce que là, à pavipod, je peux chercher le perf vita, mais... On va pas chercher... Ok, on la récup, c'est cool. Oh, ça se passe bien, ça va être faire une belle tenta. C'est pas mal ça en vrai. Bon, on a deux de puits en rab. On peut tenter succès crit. Neuf tentas. Franchement, c'est ok. Allez, je veux voir du 3%. Voilà. Pas compliqué. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? Petit PA. Pas de PA. Dommage. 90,2 depuis, j'ai peut-être même un peu de rab avant, ça m'étonnerait pas. Je raconterai si je suis dans un cas de figure où ça peut servir. Donc j'ai peut-être des petites poussières depuis en plus. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau des congruences, on est très bien. On va pouvoir aller chercher le full perf. Alors évidemment, en full crit, c'est encore mieux. Non mais oui, bah, mais forcément. Évidemment que c'est bien comme ça. Alors, ah c'est bon, je me fais karma. Ah bah c'est bon, non mais j'ai trop parlé, c'est bah, super. Ok, tac, tac,
Tac. Moins 3. Toujours un régal, hein, les petits bugs de l'interface. Oula, 23 de puits restants, c'est pas ouf, hein. Je pense que je vais tenter les 4 tentats. On va voir. C'est possible que j'ai un peu de puits en rab, vraiment j'ai pas trop compté mais je vais tenter. C'est possible que j'ai de quoi la passer, mais c'est possible que j'ai pas de quoi la passer. Ouais, c'était un peu obvious. Pas de paire. 94 de puits. Allez, c'est parti. Moins 10, alors 42. Je peux le faire à la repère. Ah, il m'aurait fallu un moins 31, ça aurait été mieux. J'ai cliqué sur la mauvaise ligne, je suis le pire bouffon. C'était Repair Feu qu'il fallait mettre Grifox. Tranquille, regardez. Hop, voilà, ça c'est réglé. On perd pas de puits. Je suis tel un chat, je retombe sur mes pattes. Hein. Faut savoir qu'un Grifox retombe toujours sur ses pattes, les amis. Notez bien ça. Bon, je vais pas, en vrai, je vais pas travailler le full fer parce que de toute façon on n'a pas le perf sagesse, donc Osef. La J qui passe. Donc là j'ai plus 0,1. Moins 0,5. Une chance qui passe part bien tout ça hein. Moins 9, on va avoir une belle tentage j'ai l'impression. Moins 12, moins 5, 57 depuis, parfait, j'ai une tentative sagesse, c'est très beau hein. Et 9 tentatives repère. Bah oui, forcément. Non mais, si vous voulez, au bout d'un moment, bon, allez, hein. 91 depuis. Merci pour le raid, Infinities, merci à toi. Donc 91 depuis, on va overiner, moins 10. Oui, pas ça. Qui crit. Moins 6. Bon, on n'est pas trop mal en vrai pour l'instant. On voit double rune âge. Moins 9. On va récupérer ça sur une récri. C'est parfait. Moins 5. Franchement, c'est pas dégueu. 61 depuis. Bon, on fera pas grand chose avec le rab qu'on a. On pourrait tenter le quintuple succès crit à la runcha, mais on va pas abuser. Il se fait tard, les amis. On va juste mettre 10 tentas. Let's go. Ce sera la dernière tenta de la session, là. Donc, si on pouvait avoir au moins 1%, ça ferait plaisir, en fait. Voilà, juste 1, en fait. Non, mais super. De toute façon, quoi qu'on fasse, on a 2% à la fin. C'est super. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. Ça régale. C'est génial. Bon, bah super. 95 depuis. En vrai, je vais tenter leur âge. Hop, voilà, c'est ce qu'on aime ça. Comme ça, je récupère au récrit. Ça m'évite d'avoir un d'over dégueulasse. Enfin, pareil pour la Vita en fait. Hein. Il faut que j'over partout comme un chien, là. C'est bon. Moins. Moins 30. Pareil, il me faudra un moins 10 et pas un moins 11. Ok, ça c'est bien. Alors, l'Intel. J'ai combien? J'ai 65 depuis. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On over un tel qu'un bourrin ou pas? Voilà, hein. Comme ça c'est réglé. On va mettre une rune sagesse.
Ah non, on va pas du tout mettre une rune sagesse. On va mettre ça. On va mettre ça. Ok. J'ai 55 là. Moi, je vais tenter une rune d'eau. D'eau élémentaire basique, deux poux. Allez. Dommage. 9 tentas du coup. Dommage sort, j'avais dit. Hein. Let's go, les amis. Dommage. 92 depuis. Bon, évidemment, on a un de vita de trop. On va y aller comme ça. 21 à virer. Alors, c'est chiant. En vrai, je vais y aller comme ça, mais... Voilà, parfait. Oh non! Mais non! Anti-jeu, ça! Oh là là, pas cool. Le double moins 11, quoi. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Bon, on n'a pas la petite raie fixe qui traîne, là. La petite raie haut, par exemple, ça le fait, ça. Tac. Ok, on récup. Pas-âge. Moins 1. Moins 4. Hop. Petite rune chat. Hop. Eh ben, c'est bon, le GF est, en fait. 55, 56. 56, j'ai d'autres deux en trop. Là, on va avoir du mal à en faire quelque chose, hein, malheureusement. On va mettre repère R. Moins 5, on a 50. En vrai, je peux tenter le crit très fixe, hein. Enfin, le double crit, du coup. Non, ok, 48. 8 en tas. Deux pour cent, again. Pas de PA. Tanda potentiellement stylé, 99,2 depuis, et c'est même possible que j'en ai un petit peu de rab d'avant. J'ai pas tryhard le comptage depuis jusque trop haut, mais c'est possible que j'ai même un tout petit peu plus que ça. Bon. Tac. On va tryhard le full perf, je pense. En vrai, il me faudrait moins 31 et une pod. Ah oui, j'ai oublié un doer, merci le chat. Merci beaucoup le chat qui vient de me sauver une tenta. GG à vous, vous êtes les boss. Effectivement, j'ai oublié le doer que j'ai passé un peu en mode no brain. GG le chat, GG la commu, faites du bruit. Vous me sauvez, je me fais PL par le chat une fois de plus. Bon, en vrai, on peut call le moins 31 et la pod. Allez, go. Ah, unlucky. Alors, on va du coup pas age. Ou en vrai, non, je peux tenter un truc ballsy. On va faire des trucs un peu chimiques. On va faire ini. Ini. Alors, ok. Ini, voilà. Et là, il me faut une rune âge.
Je suis un forge magicien. Bonjour. Enchanté. Effectivement. Bon. Bon, rien que pour ça, ça me régale. Après, le reste, c'est bon. Alors, du coup. Bon, on est bien là. On est bien. On va pouvoir mettre ça. Hop. On va dire moins. Bon, allez, moins 8 à peu près. À la louche, hein, on est par là. Du coup, on va pas âge maintenant. Qui passe? Est-ce que ça ressemblerait pas à une tenta bien stylax? En vrai, ça a de la gueule, hein. Petit double crit au dommage en plus, 64 depuis. Bon, on va. Comme j'ai pas voulu tryhard de compter les décimales, j'avais un peu de rap d'avant et tout. En vrai, on peut tenter un crit là-dessus et on gagne une tenta. Alors non. Bah du coup, même histoire, on recommence. Ok, bon, c'est bon. Du coup, 9 tentas là. Sur du full perf. What the fuck le double exo? Ça sort d'où ça encore? Du coup, on a gagné une tenta. Qui passe pas, 2%, c'est un peu dommage. On n'a pas le PA. Dommage, j'aurais été stylé sur cette tenta un peu loufoque. 98 depuis. 1,4 pour être précis. 40 sagesse, ça c'est bien. Alors la vita, comment on gère la vita? Je sais comment gérer la vita, regardez, on va faire ça. Pavi. Ravi. Et là, on va faire un moins 6 et ça va bien se passer en fait. C'est très simple. Le plan est très très simple. Voilà. Aucun doute. Yes. Alors, quand on over, on a des pop-up. Non mais c'est l'AFM qui est cassée. Et tout va bien. La rune passe, il n'y a pas de problème. On a connu pire. Alors, on va mettre ça. On va mettre ça. Est-ce qu'on part pas sur une tenta maxi vénère là ou comment c'est? J'ai l'impression que oui, hein. Alors. Pacha. Non, même pas. Réécrit en fait. Voilà, donc quand j'ai un over et je mets une rune, ça me fait un pop-up. Non, juste pour la première. Non, mais d'accord, on découvre. Bah oui, il est écrit. Non, mais je prends, ça me va. Ça me va. C'est vraiment une tenta de psychopathe qu'on est en train d'avoir là. Alors. Sauf si on se défonce 90 depuis sur le dos. Moins 15. En vrai, 63 depuis. On peut tenter un crit Pacha. Non. Allez, la dinguerie là. Ok, bon bah c'est mort du coup. Donc on a 9 tentes restantes. En vrai, full perf les amis, on a déjà 1%, il me reste 9 runes. Allez. La malédiction du 2%. La malédiction du 2%, qu'est-ce que je peux dire de plus en fait? 95 depuis. Bon. Les réécrits, il y en a quand on n'en veut pas et quand on n'en veut pas, il y en a. Hein. C'est vraiment. Bon. Ok, j'ai pas eu le moins 11. Je récupère le puits, je suis bien pour l'instant. Mais en vrai, c'est une fat tentant encore ça. Qu'est-ce qui se passe là? Tac. Mais. Oui. 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 Multiple de 6, parfait. Mais c'est magnifique.
Yes! On a brisé la malédiction des 2%, les amis. Et ça régale. Et on a le PA. Bon. Bah, c'est reparti pour une tentative de match soir. Ça passera un jour, hein. Je finirai par sortir des items comme ça, c'est obvious. En vrai, j'entends tout le temps, hein. Ah, pas passé. Tenta pas ouf. Allez, go la faire quand même. Et voilà le moins 26 dommages. L'autre fois, on m'avait dit qu'avec un dommage, on pouvait pas avoir moins 26. Et si? Et si on peut avoir moins 26, la première vidéo. Ok, donc déjà rien que pour ça, l'attentat est rentabilisé parce que. Hein, on arrêtera de me prendre la tête dans les commentaires YouTube et de me dire oui, t'as fait nimp, avec le 38, il fallait rune dommage plus pod. Allez, hein, merci. Bon, bref, hein, les concernés se reconnaîtront, peut-être. Moins. J'avais dit quoi? J'ai reset mon puits comme un bouffon. J'avais 102,6. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Moins 12. Moins 20. Plus 0,2. Tranquille, 78. Tac. Tac, tac, tac. Nickel, hein, tout ce que j'aime. Ok. Bam, boum. Moins 11. Page. 1, 2. 3, moins 9. 23,8. Allez, on va dire qu'on a 24. On va se le permettre. Tranquille. Regardez. Non. On va tous y croire ensemble très fort et on aura 24. La malédiction des 2% en fait. Mais c'était obvious. C'était sûr en fait. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. Bon. Est-ce qu'on aura un petit dommage sort qui va passer un jour quand même? En vrai, ça mettrait bien là-dessus. Eh non. 97,8 depuis. Bon, il y a moyen de tenter un gros truc là. Le jet, il est assez haut de base. On n'est pas très longtemps après le dernier PA. Et donc l'attentat dommage sort. Donc le jet a pas trop baissé. Il faut juste que la vita troll pas trop. Alors là, je peux soit faire double ravi et essayer d'avoir un moins 31 à la repair et pod. Soit ce qu'on va faire, pavi, ravi, moins 10. Et on va faire le forge magicien comme tout à l'heure. C'est-à-dire comme ça. Et comme ça. Ça se tentait. Pas de regret. Ok, bon, ça se présente. Ah merde, je suis trop con, j'ai pas me. Je vais faire comme ça, regardez. Hop. Non, mais c'est relou les crits tout le temps là. Mais. Je me fais prank. Voilà, tout est bien qui finit bien. Les congruences. Petit cri de sagesse. On est bien, on est bien, on est bien. Moins 12. 50 depuis. Il me faudrait tellement rien pour pouvoir tenter. En vrai, ça se trouve, j'ai commencé à compter ici. Il me faut juste 0,2. Il faut que je trouve 0,2 de puits et je peux tenter Pavipod. Et ça régale. Donc j'ai commencé à compter sur le moins 24 là. Donc là, j'ai rien. Là, j'ai plus 2. Ah, ben voilà! Et voilà, fin de l'histoire. Pas besoin de compter plus haut en fait. Bah, GG à tous. Donc on a notre tenta pavie. Ah, dommage. Bon, bah là, du coup, on est dans la sauce. C'est marrant, on a encore 2%. C'est vraiment très drôle ça. 96 depuis. Ça pique un peu sur la Vita. 22. On va y aller à la rune Age. On va y aller à la rune Ini. On va le faire, vous inquiétez pas. Tac, tac, tac.
le crit, admettons. Pas hyper fun. Hein. Pas hyper fun. Bon bah je teste. Hein. Le crit encore, bah, décidément. On perd beaucoup de puits sur des conneries. Hein. C'est un peu l'attentat de la tristitude là. Hein. Alors, je crois que les planètes n'étaient pas alignées pour cette tenta, les amis. Je suis désolé. Bah, évidemment. Donc là, j'en suis au stade où ça fait 10 minutes que je sens l'angoisse monter devant mon stock de runes d'OR. Donc j'en ai une. Il faut qu'elle passe, sinon c'est la sauce. On va ravi. Là, je veux juste un truc, c'est finir ma tenta sur racheter des 2R. Le reste, rien à secouer, je m'en fous du jet qu'on a. Je veux juste pas racheter des 2R, en fait, c'est tout. En vrai... On va tenter la pa-age qui va me faire un moins 16. On va la jouer Bolzi. Voilà, tac, ça c'est... Il faut provoquer le destin un peu pour qu'il nous arrive des trucs. Voilà, ça c'est petite leçon de vie. Je pense qu'on va... Païner... Rainer. J'appréhende le passage de la rune de match R, mais tranquille. C'est dur. Pourquoi j'en ai encore une? Ah! C'est quoi? Ah, oh, c'est terrible ce qui m'arrive. Aller racheter des runes pendant une tentative, c'est le pire bail. J'aurais peut-être pu tenter la pado et récupérer le puits, l'over. Ah là, je me déplace, c'est. C'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Les gens sur YouTube vont me dire tu nous prends pour qui en fait? On clique sur une rune, sur une vidéo FM, on voit un mec qui a acheté des runes en fait. On est où là? Et vous aurez raison de crier, c'est pas normal, j'abuse de ouf. Je me déshonore. Je me déshonore. Après? Bon. Tranquille. On a eu la Vita à moins 16, ça régale. Du coup, on n'a rien vu, c'était une petite ellipse, vous avez tout oublié, voilà. Donc, moins 5. On va mettre ça. Mettre ça. Moins 6. Elle est cassée la rune d'OR. Non mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas ma faute là. C'est de l'abus complet. 4, bah 21, bah c'est magnifique ça. On a une tenta sagesse. 3 tenta repair. Bon, il y a un monde dans lequel on a 3% qui passe, mais... Mais non. Pas de PA. 93,4 depuis, peut-être même un peu de rab. On a combien de vitesse, les amis? Bon, si vous voulez. Non, mais il y a un moment dans la vie, il faut imposer son style, hein. Que voulez-vous? Tac. Alors, ça, c'est bon. Hop, hop. Ben, c'est déjà fini, en fait. Moins 2, 51. Une tente à sagesse. Tout s'est passé très vite. T'as rien su faire. 8 repères. Quand même. Quand même les 3%. Bon. Pff.
Oh bah oui, évidemment. Non mais forcément, si vous voulez. 92 depuis, c'est pas très beau, hein, les congruences là. Je sais ce qu'on va faire. J'ai un plan. On va ravi. Moins 20. On va faire le... En fait, on va faire le mec alpha. Déjà là, on va faire moins 31 et ensuite moins 13. Ah. Alors, mon plan s'effondre. On va faire tac-tac. Oh non, sérieux. Je me fais bolos. Picote un peu, hein. On va monter la J comme ça en mode bourrin. Voilà, hop, évidemment. 31, on va finir par un crit Traça parce qu'on est un mec comme ça. Normalement, révolution, hein. On arrête de se faire marcher dessus par les items et on y va. On leur marche dessus en fait, évidemment. Ah, 2%. PA. Évidemment, il y a la sauvegarde juste à ce moment-là du serveur, bien sûr. Voilà, et là, la Rasa. Dans le meilleur des mondes, je mets pas 12, ça casse le player, on y retourne. Ok, ça n'a pas marché. 93 depuis. Bon, déjà là-dessus, on se fait pas trop ruiner, c'est bien. Évidemment, quand je vais à un moins 31, j'ai un moins 30, et quand je vais à un moins 30, j'ai un moins 31. Donc ça, en fait, c'est la vie que je mérite, c'est ça? Allez, c'est bon, on va pod, c'est bien. Un peu abusé quand même, hein. Bon, on a une belle tenta quand même, malgré tout. On a deux en rab. On peut tenter un crit à l'arrêt fixe. Non, c'est mort. Bon, elle a dit tenta. On a le PA là-dessus. Vous noterez que quand je bois de l'infusion pendant que je clique, tout de suite ça marche mieux quand même. Vous en tirez vos conclusions, je ne dis rien. Bon, c'est pas un jet de fou, hein, c'est du moins 1 vita, moins 1 sagesse, 3%, on a eu des trucs plus propres. Globalement, le FM n'a pas été trop terrible. Vraiment, il y a eu quand même pas mal de repassages sur du 2%. Ça s'est mieux passé que les FM que j'ai fait ces dernières semaines. C'était... Bon après c'est... Ce qui est un peu perturbant c'est que c'est une amulette qui est censée être vraiment très facile à FM et que malgré tout... Non franchement en toute honnêteté on peut pas se plaindre de comment ça s'est passé, c'est legit, c'est honnête. On finit avec un truc correct et si vraiment je maintiens, donc ça ira donc sur un Eka Flip Feu PVP, j'ai pas encore testé le mode. Et si vraiment le mode me plaît, bah je retryharderai du plus gros jet. Mais pendant ce temps, là, avec ça, je peux jouer, donc c'est bien. Écoutez, fin de cette petite vidéo. Et non, parce que j'ai un bonus. Bonus. Vous vous rappelez, récemment, on avait fait un stuff pour un sacrieur. Et on avait fait écharpe de servitude. Et j'avais parmi le PO. J'avais ça, en fait, sans PO. Et du coup, on va retenter le PO parce que j'avais pas forcément besoin du PO pour le sacri, mais donc voilà, c'est un moins 1 chance, moins 3 INI, over 53 vita, mais il n'y a pas le PO. On va essayer de remettre le PO maintenant. Ah, alors attendez, j'ai un petit souci technique, c'est qu'il n'est pas signé à mon nom. Alors, ça vaut pas la signature sur une transe en termes d'escroquerie, mais ça s'en approche. Et je suis un expert là-dedans, hein, évidemment, vous le savez. Donc ça régale. Donc c'est parti, hop, la petite signature. Le petit PO et ça clique. Le PO est passé. Il est sur l'item, il est passé, on pourra rien dire d'autre. Bon, bref, ça c'était pour le fun, hein.
Donc, bon, fin de la vidéo du coup séculaire. Moi, je vais enchaîner sur la suite. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que ce petit FM vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.